Bonjour et bienvenue sur Du Cœur à l'âme. Aujourd'hui, une petite vidéo, toute petite, qui va parler d'un challenge qui a été lancé par une chaîne allemande, JM Knives DIY Mods EDC, qui propose de promouvoir trois chaînes que l'on suit, auxquelles nous sommes abonnés, nous, en tant que vidéastes, afin de promouvoir les abonnements de ces chaînes. Ce challenge répond à une nomination de ma chaîne par un autre YouTubeur. Donc, à mon tour, je vais promouvoir trois chaînes. Il s'agira de deux chaînes françaises et une chaîne américaine qui parlent principalement de couteaux. J'aurais pu promouvoir une chaîne qui parle de cuir, mais j'en ai peu trouvé qui était aussi peu nantie en abonnés. Donc, voici les trois chaînes dont je vais promouvoir. La première chaîne, c'est Au fil des lames, une chaîne qui a un an d'existence et qui a 428 abonnés. Les vidéos sont très intéressantes, ils parlent de couteaux traditionnels mais aussi de couteaux industriels. Les vidéos sont agréables, le contenu très intéressant, et je vous invite donc à suivre cette chaîne. La deuxième chaîne est une chaîne française également, qui est Coupé au couteau. C'est une chaîne française qui a maintenant 5 ans d'existence et qui a 439 abonnés. Principalement orientée sur des couteaux traditionnels, il parle également parfois de couteaux industriels, mais cette chaîne est intéressante pour la promotion justement des couteliers traditionnels et le travail qui est accompli dans cette discipline qui est la coutellerie traditionnelle. Donc une chaîne à suivre également. Et enfin, la dernière chaîne, une chaîne américaine, qui a 3 ans d'existence et qui est Nice Slicers, qui a 268 abonnés. Une chaîne qui est récente, qui parle de couteaux industriels, mais aussi de EDC, et qui est plutôt agréable à suivre et à regarder. Voilà pour le challenge, j'espère que vous regarderez ces chaînes avec attention, que vous vous abonnerez. Pour ma part, du cuir et des lames, je vais proposer prochainement, très prochainement, une vidéo de présentation d'un couteau et viendra ensuite une vidéo concernant un tuto cuir, très simple à réaliser et en relation avec l'univers du couteau. Je ne spoilerai pas, je vous laisserai découvrir cela certainement en fin de semaine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ces chaînes également que je vais mettre en description. Et à très bientôt. Au revoir.